Hello. Mais tu es de plus en plus belle. Alors, la traduction de tu es de plus en plus belle. More and more pretty. Hi. You're more and more pretty. Chaque fois qu'on te voit, ça fait trois fois que tu viens nous voir. Third time. Yeah. La troisième fois. I remember. Ouais. Tu te rappelles du chien? Elle se souvient. When I was tiny. The dog. Oh. You remember the dog? Yes. Yes. C'était masturbé sur sa jambe, oui. Oui. Il avait chanté avec toi, ton dog. Le bon dog. Oui. How am I supposed to understand what the hell you're saying? Put the headphones on, I think it'll help. Comment elle fait pour comprendre ce que je lui dis? Comment je peux comprendre? Je dis, mais le casque, ça va aider déjà. L'amour est une langue internationale, on va vous le prouver. Love is an international language, anyways. Ah, yes. Yes. Very happy to be with you tonight. I'm so happy to be here. Yes. Regarde, toute l'équipe est là. Romano. Hello. Do you remember me? Oh, yes, I remember you. Hey, Kesha, do you remember that? Est-ce que tu sais que après ta prestation avec Romano, il y a Jay-Z, P. Diddy qui ont assisté pour faire un featuring avec Romano et qu'ils l'ont fait? Do you know that after you sang with Romano, like Jay-Z and P. Diddy insisted on singing with him? Et pas que, hein. Why? Ouais. And not only that, like, pourquoi? Why? Pourquoi? Because it's... I am the prince of hip-hop. It's the prince of hip-hop. Voilà, n'importe quoi. Elle ne le savait pas, tu vois. Ah, c'est bizarre. Dis avec Wiz Khalifa que t'es passé dans... Do you know the website worldstarhiphop.com? No. Non. Qu'est-ce que c'est? Worldstarhiphop.com. No. A big site of hip-hop music. No. Non. The USA. Romano a fait la une. Homepage. The homepage with Wiz Khalifa, my friend. Elle a l'air étonnée. Hein. With Wiz Khalifa. Oh, he's my friend. Hey, moi aussi. C'est son ami. He's my friend too. And the friend of Romano. Hey, yes. Bon alors, Kesha, tu arrives parce qu'il y a un nouvel album qui sort. Nouvel album pour le 3 décembre, je You're crois. Here for a new album coming out in December? Yes. Yes. Yeah, enfin, exactement. Eh ben, c'est pas trop tôt. Finally. It's about time. I know, I took my time, but I wanted to make a really kick-ass record. Elle a pris son temps, mais elle voulait que ça cogne. Très bien. Eh ben, on espère que ça va cogner. On connaît déjà le premier son de ton album. C'est ça. Die Young. Why Die Young? Yeah, why? Pourquoi? Pourquoi mourir jeune? It's a philosophy. You gotta live. C'est une philosophie de vie. Il faut profiter de la vie. Ah, on a qu'une vie. Je dis souvent dans l'émission, on n'a qu'une vie. You only live once. Il faut savoir en profiter. You only live once, so you have to seize the day. Yeah, seize the day. Exactement. Don't fuck around. On est pareil. Pas faire les cons, quoi. En effet, pour passer un bon moment ensemble, Kesha. Vous pouvez lui laisser des messages sur le 41 Sky, le skyrock.fm. Regarde tous les messages qu'on a reçus pour toi, Kesha. Je suis submergé sous les messages. There's a ton of messages for you. All for you. Oh, I love my beautiful French fans. Elle adore ses fans français. Oh, des French. D'ailleurs, regarde des French qui se posent des questions. Est-ce que tu trouves que les garçons français sont charmants? Message de Fallon, de Kesha. They wanna know if you think French men are charming. Oh, the most. Ouais, les plus charmants. Ça m'étonne pas. Bah. Est-ce que tu as vu que j'ai fait un effort pour toi ce soir, Kesha? Did you notice that he's made an effort for you tonight? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? What did he do? You have a beard. T'as une barbe. Oui, je me suis pas rasé exprès pour toi. You didn't shave, on purpose. Beautiful. Ah. Bah, ça lui plaît. Exactement. Et j'ai demandé aux auditeurs de Sky qui étaient un petit peu poilus de nous envoyer des photos. Ah ben, yes, all the listeners that have beards to send pictures. Tu peux ranger le yes. Yes, allez-y send les gars. Send pictures of your penis. Ah, aussi de vos pénis, elle veut des photos. Ah, des photos de vos pénis également pour faire plaisir à Kesha. Donc, vous les envoyez, tu vas voir, tu vas recevoir. Là, oh, j'en suis sûr. He has a dog. Ah, il a un chien, lui. Et il a un chien, oui, ambassadeur, soit les photos. La Kamel qui nous envoie une photo de lui mal rasé. Donc, si vous êtes mal rasé, profitez-en. Bon, Kamel, il y a plus barbu quand même. Hein. Ouais. Non, mais c'est, oui, si vous êtes un berbe, pas de chance. Hein. Not a lot of hair. T'es jamais sorti avec un garçon qui avait pas de poils? You never dated a guy with no, like, no facial hair? No. Non, t'aimes pas ça. Tu aimes les hommes avec des poils. Like hair. Actually, my first boyfriend was French. Ouais. Beard. Ah, son premier petit ami était français, mais avait une barbe. Il a une barbe. Et les chauves. Qu'est-ce qu'elle en pense? What about bald men? What do you think of bald men? They're nice. Ils sont sympas. Wow, thank you. Première fois qu'on me dit ça, tiens. First time he's heard that. Bon, est-ce que tu sais que pour te faire plaisir, Marie s'est laissée pousser les poils aussi? Mais non. De la chatte. She didn't shave you. Oh, yeah, I don't see your beard. Non, je vois pas ta barbe. Tout moi. No, she shaves everything. Alors, parle-nous un petit peu de cet album qui va sortir, Kesha. Et puis, on aura une petite surprise pour toi. On va te faire... Tu sais que c'est la semaine... Tu sais peut-être pas, non, je dois te le dire. En France, c'est la semaine du goût. On aime bien manger en France. Okay, it's a special week in France. Mm-hmm. It's the week of tasty stuff.
On va en savoir un petit peu plus sur tes goûts. On va te faire découvrir la bouffe française. T'aimes bien manger français? Do you like French food? They want to know. Like what? Comme quoi, par exemple? Ah, on va te montrer des spécialités, mais que même nous, on ne connaissait pas. We're going to talk about French specialties. Oh, no. Non. I'm scared. is it like weird sex positions? C'est genre des positions sexuelles bizarres? Ah non. C'est à manger. Que de la nourriture, just food. Okay. Just food. Tu aurais préféré les positions sexuelles bizarres. You prefer bizarres. The sexual weird yes. position. Oui. Yes. Bon, alors on peut parler de positions sexuelles bizarres. Bon, Cédric, tu remballes ta bouffe. C'est pas plus mal. Bon, le nouvel album, il sort le 3. Il sort d'abord en France et le lendemain, il sortira aux États-Unis. The new album comes out in France first and then the next day in the US. Yes, I know, that's crazy. C'est pour nous faire plaisir, c'est pour nous. It's just for us, right? Yeah, it's special for you guys. Exactly. Les premières photos arrivent, Keisha. Some pictures are coming. Oh, that's cute. Oui, y a eu that's a blow-up doll. A penis! A penis! On a reçu la bite de l'inconnu. Elle est contente. I'm really happy. Elle est contente. Il y a bat. There's another penis. Un autre pénis. Oh, ah là, c'était un hamster. Bon, après, il y a un hamster. Mais il est poilu, le hamster. He has hair, the hamster. Ah bah oui. Hein. Encore un peu de poils. Alors, des poils, regarde. Ah, des auditeurs barbus. Des auditeurs barbus. Comment tu le trouves, les barbus? What do you think of them? I love it. Elle adore. It's so great. I love the beards. I love the penis. Elle adore les barbes. Elle adore les pénis. C'est une belle soirée. Merci pour les photos que vous nous envoyez. On va te faire... C'est cadeau pour toi. Les Français sont comme ça, Keisha. That's how French people are. Allez, Cédric, à toi. Allez. Cédric. Allez. You guys are very... There's so many penises. Il y a tellement de pénis, là. Je sais plus quoi faire. Il y a beaucoup de pénis. Il y a un beau gland. Bon, est-ce que tu es célibataire actuellement? Are you single, Keisha, these days? Always. Toujours. Parce qu'on n'a qu'une vie, il faut savoir. You only live once, so you have to have fun, right? Absolutely. Bon, cet album, bon, qui arrive là, bon, il arrive au bout d'un petit moment. Qu'est-ce que t'as à nous dire sur cet album? Donne-nous envie, parce que nous, il va falloir qu'on attende jusqu'au 3 décembre. What can you tell us about the album? Because we have to wait another couple months. I know months, you have to wait. It's almost done. It's almost done. And there's a lot of really cool people on it. I worked with Will.i.am and Iggy Pop. The Flaming Lips. Il y a plein de featuring cool dessus. Will.i.am ou Iggy Pop? Two different songs. Deux chansons différentes, hein, bien sûr. Oui. But a lot of really cool people. Julian Casablancas, the singer of The Strokes, the drummer of The Black Keys. Le batteur des Black Keys, le chanteur des Strokes, Julian Casablancas qui est dessus aussi. Yeah, so it's cool. It's a weird mishmash of a bunch of different genres of music. Une espèce de mini-mélo de genres musicaux différents. Yeah, comme quand tu fais une bonne soirée, que tu bois plein d'alcool et que tu t'es... Like when you party and drink a lot. Just mix it all up. Yeah, fuck it. Exactement. Bon, c'est marrant qu'il y ait Iggy Pop. Iggy Pop, je sais pas si vous le connaissez, c'est un vieux punk. C'est Stooges. Mais il avait fait une pub. C'était quoi pour... Il a fait une pub à la télé. Ouais, il a fait une pub à la télé. Il a les cheveux. Non, pour Eleven, il fait. En ce moment. Il a les cheveux longs. We are talking about Iggy Pop. Yeah, he did a commercial on TV or something. Il est excellent, lui. Because he's mad. Oh, he's totally mad. Il est complètement taré, elle nous dit là. Il parle français. Yeah. Il parle français, ouais. Mais c'est pas lui qui pissait ou qui crachait sur son public. Ouais, si. Isn't he the guy who peed on his public or spit on his public? Yeah. Probably. Ouais, c'est ça. Le mec pissait sur les gens qui payaient. Ouais, comme ça, bien. Bon, donc on attend cet album. Comment il s'appelle ton album? What's Warrior. What's the name of the album? Warrior. Warrior, because you are a warrior. Yes, and so are my fans. Elle ainsi que ses fans d'ailleurs. Bon, on est tous des warriors ce soir. Merci pour toutes les photos que vous envoyez. Regarde celui-ci là. Ouais. Tonio, so un auditeur de Sky, mais. So il y a tellement de photos de pénis, c'est génial. Ah bah lui, il a une bite, mais. Si on veut, on pourra lui imprimer. Énorme. Bon, on va écouter Dai Yang là dans un instant. On va écouter ton son. On a Caro aussi qui voudrait te parler. Si vous avez des trucs à dire à Keisha, vous n'hésitez pas à vous nous appeler. Hein. Et la dégustation. Et on va te faire déguster. Ouais. Tu vas découvrir un peu la France. Ouais. Tu vas déguster. You're gonna taste some French food. Oh, I'm scared. Ça fait trois fois que tu viens en France. Third time in France? More than that. Oh, encore plus. Bon, t'as déjà mangé français. So you've eaten French food? I have. Qu'est-ce que t'as mangé? What? Like what? Un penis. The penis is the main thing I remember. C'est la chose principale dont elle se souvient, ouais. Bon, on te retrouve dans un instant, Keisha. De retour sur Sky. Et Caro, je vais dire bonjour à Caro. T'es là, Caro? Oui. Ne quitte pas, on revient. À tout de suite. En octobre, Skyrock t'offre les concerts de Section d'Assaut à Bercy. Aurel San et Youssoupha aux élites de Paris. Et aussi Halloween. Toute cette semaine,
Skyrock t'emmène fêter Halloween avec des séjours complets pour deux pour le festival Halloween du 20e anniversaire de Disneyland Paris. On t'offre l'hôtel.